kommer nummer 1 Robert B. Men kommer den hastigt nok frem. To Maven eller 1 Robert B. På målstrand er det 1 Robert B. Du har fliket l'extérieur. Allez, je reviens du bois. On peut peut-être encore le faire. Avec Amiral Sacha, non, Robert B. Va l'emporter. Mais ils sont bons, les Français, quand même. Victoire de Robert B. Qui lutte avec Robert B. Pour la victoire africaine qui tient tête à Robert B. Mais ce dernier va tenter de repartir. Et Robert B. prend le meilleur à quelques mètres du poteau. En daar komt hij aan. Dit is 1-7 in de laatste rechte lijn. Robert B. Daar gaat hij. Helemaal alleen. Want hij wint het zo makkelijk. Het is Robert B. die aan 1,40 euro met een start wint. In vantaggio Robert B. che sta accumulando lunghezze su lunghezze e viene a vincere. Adonis di Gutier che viene a far suo il numero 2 attaqué par peut-être numéro 7 comme d'accord par le 13. Et voilà le numéro 12 qui est lancé à l'extérieur, qui essaie de rejoindre les trois premiers. Numéro 12, c'est Astor Duquesne. Robert B. extrêmement facilement, numéro 2. La première place pour le 7, Rombo du Canon, un triomphe pour l'Italie. Et on finit remarquablement avec le numéro 2. Der geht durch die dritte Spur. Jetzt wird der nächste Gang gezündet, aber an der Spitze liegt weiter Fredericus. Fredericus ist vorne. Dahinter dann Rockabout auf den zweiten Rang und jetzt kommt die Attacke von Robert B. Der geht hier spielerisch von der sechsten auf die fünfte, auf die vierte, jetzt auf die dritte Position. Wir sind im Hackabschluss-Schlusspunkt. An der Spitze ist Fredericus, versucht es mit der Flucht nach vorne. Dahinter kommt dann Rockabout und dann kommt Robert B., aber der muss sich sputen, denn die Zielgerade ist schon in Sichtweite. Die Win-Race-Zielgerade und vorne ist es Fredericus und dahinter kommt dann Robert B. Fredericus ist vorne, Robert B. kommt mit jedem Schritt. Fredericus hält die Führung, Robert B. kommt. Fredericus ist vorne, aber Robert B. kommt. Fredericus oder Robert B.? Robert B., Robert B. an der Außenseite. Schauen Sie mal, wie beim Autofahren sitzt der da. Rod Stewart, a largo dei due, prova ad intervenire anche Rossella Ross. Robert B. in chiara evidenza su Rossella Ross. E allora allevato in Italia, ma di proprietà olandese, Robert B. Rotary, ok, viene via la grande Royal Blessed. E mentre Robert, facile facile il suo compitino, viene via la grande Royal Blessed, ma palo vicino, Rotary ok, scappa via Lothar B, se ne va Robert B. Retta d'arrivo per Robert B in passerella nei confronti di Rod Stewart, controlla the situation, viene via la grande Royal Blessed, poca trippa per i gatti, The King e lui. Robert B. aan de buitenkant Diamond, maar die moet nu een beetje pas op de plaats maken. Daar komt de ruimte voor Davy Boko en gaan we dat speedduel krijgen. Twee derbywinnaars tegen elkaar. Robert B. aan de binnenzijde. Davy Boko gaat naar het tweede spoor. Daar komt Langeweg aan de buitenzijde. Het is Bakker aan de binnenzijde. Langeweg aan de buitenzijde. Bakker beweegt niet. Bakker doet niks. Bakker wint makkelijk. Het is heel makkelijk. De tweede plaats Diamond. Wordt het 1-2 voor de stal Hagort. Op dit moment heeft het er alle schijn van. Tenzij die Macho Boko nog op kan stomen naar plek 2. Dat gaat niet gebeuren. Het was zeker geen spannende koers, maar Robert B. gaat hier wel met veel machtsvertoon winnen. Robert B. op weg naar de finish. Rue du Bac, le numéro 7 qui est lancé maintenant par Jean-Michel Bazir. Robert B. Rue du Bac qui lutte pour la victoire avec Testov Bourbon qui est enfermé maintenant derrière les deux premiers. Hakim Ducamber est au galop. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec Robert B. Rue du Bac et Testov Bourbon qui lutte pour les premières places. Robert B. qui repart maintenant en deuxième position. Il essaie de sortir avec Tumbledust. Il n'a pas trop ses aises. Tumbledust qui va devoir déboîter pour passer à la contre-attaque. Il est malheureux. Tumbledust, le long d'accord d'Amérique Sacha, lutte pour les passes et Africaine revient à la cocktail jet à l'extérieur. Robert B. toujours en tête et puis cocktail jet ou l'Africaine à l'extérieur. Allez, je requête du bois, on peut peut-être encore le faire avec Amiral Sacha. Non, Robert B. va l'emporter, mais ils sont bons les Français quand même. Victoire de Robert B. voorbij komt, dames en heren, heeft hij wel een applausje verdiend. Deze komt terug van heel, heel ver en hij pakt voorsprong. Hij pakt 3, hij pakt 4, hij pakt 5 lengte en daar komt hij aan. Dit is 1-7 in de laatste rechte lijn. Robert B.
Daar gaat hij helemaal alleen. Dit is het tredje udvendigt dit med 4 Classic Grand Cru. I tredje spor kommer den nummer 10, Support Justice. Så forsøger de ned bagfra 5, Repay Masi har fået sit toptempo og spurt stærkt mod afslutningen. Nu kommer angrebene ned bagfra ind mod sidste sving. 500 meter resterer det 2 Maven. Hun tager lækker udføring nummer 2 Maven. De forsøger at komme frem. Er Johnny Takt ved at køre væk fra konkurrenterne nu i Copenhagen Cup med nummer 2 Maven. Et Robert B forsøger. Classic Grand Cru er ved at komme ud til angreb. Support Justice tog ikke ved første øjekast de afgørende meter ind. Har kræfter sparet 6 bare fra backfire. Det er fordel til 2 Maven. 2 Maven i føring, men det har kostet det her. Nu kommer nummer 1 Robert B. Og 1 Robert B nærmer sig ud banen. Den kommer i store skridt indvendigt 2 Maven. Her kommer nummer 1 Robert B. Men kommer den hastigt nok frem. 2 Maven eller 1 Robert B på målstrand. Er det 1 Robert B? On se rapproche avec le numéro 5 Pascal Sweat. On a la bonne course également avec le numéro 9 Uprince qui se fait ramener sur un plateau devant le numéro 7 Rêve de Bélève. Sorti bientôt du tournant final et Robert B qui n'a pas été attaqué va essayer de repartir. Chapeau est en deuxième position. Princesse Griff est passé troisième et voilà Uprince qui apparaît en pleine piste. La ligne droite finale, Robert B qui n'est pas attaqué pour l'instant. Chapeau qui reste en deuxième position. Uprince qui surgit en pleine piste alors que Pascal Lest plafonne un peu et que Princesse Griff est au galop. Robert B, le numéro 4 qui a nettement l'avantage devant Uprince qui finit bien et qui va s'emparer visiblement de la deuxième place devant Chapeau. Robert B remporte le prix de Washington. Uprince le numéro 9 et deuxième. Rod Stewart. Here comes Rod Stewart. Behind Rod Stewart, Tumble Dust. Here is Robert B. Robert B. Robin Backer is trying to leave them. Look at the super finish from number 11, Rod Stewart. But it's number 6, Robin B. Look at the driver looking to the inside and almost falling asleep there. Et puis on termine fort également avec Vincennes tout à l'extérieur, le numéro 11. Encore plus à l'extérieur, le numéro 4, Alain Descajoles. C'est Africaine qui lutte avec Robert B pour la victoire. Africaine qui tient tête à Robert B. Mais ce dernier va tenter de repartir. Et Robert B prend le meilleur à quelques mètres du poteau.